Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 8h55 sur Sud Radio, c'est l'heure de Carlier Libre avec Guy Carlier. Laurie, quel est le thème de sa chronique ce matin? Eh bien, ce matin, on va parler de la visite du président Xi Jinping en France dans une chronique, attention, de haut niveau diplomatique. Bonjour Guy. Voyons, bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, une chronique de haut niveau. Nous sommes le 8 mai, symbole de la paix revenue dans le monde. Et dans le contexte de la situation internationale tendue, la visite du président chinois Xi Jinping en France ces derniers jours revêtait une grande importance. Bon, attendez un peu, parlons plus bas. Voilà, je crois que Patrick Roger s'est rendormi rassuré en se disant, bon, Carlier fait une chronique diplomatique. Il m'a dit qu'il se réveillera juste pour écouter Guy Carlier. J'avais peur qu'il profite de mon absence pour encore parler de futilité comme les bains de Baudelaurie ou du chien de la compagne de Benjamin qui se frotte obstinément sur sa jambe gauche, je peux me rendormir tranquille. Bon, alors, maintenant qu'on est entre nous, je vais vous raconter sérieusement cette visite de Xi Jinping. Ces derniers jours, la France a donc reçu la visite du dirigeant chinois. Alors, bien entendu, compte tenu de l'importance de nos visiteurs, le respect du protocole était important. Surtout, vous le savez, que les Chinois, ils sont très attachés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque le président Macron était allé en visite en Chine, le président Xi Jinping l'avait reçu en grande pompe dans l'immense château de famille où il avait passé son enfance. Et comme les Chinois ont le culte des ancêtres, il l'avait emmené se recueillir devant le mausolée de son père, qui fut également un grand dirigeant chinois. Puis il avait initié Emmanuel Macron à la cérémonie du thé dans la grande salle d'apparat du château, mur recouvert à la feuille d'or, et tandis qu'a retenti un impressionnant coup de gong, des femmes en costume traditionnel cantonais sont venus servir le thé à chacun des invités, tandis que 100 choristes de l'orchestre philharmonique de Pékin interprétaient des chants révolutionnaires. Puis, quand vint l'heure du dîner, on servit au président français des mets chinois fastueux, notamment un canard laqué en 3 services délicieux. Macron, impressionné par cet accueil, a cru qu'il était un hôte hors norme, alors que c'est la tradition chinoise habituelle lors de l'accueil des chefs d'État étrangers. Mais donc ces derniers jours, à l'occasion de la visite en France de Xi Jinping, Macron a décidé de lui rendre l'appareil. Et il s'est dit, moi aussi, je l'emmène sur les lieux de mon enfance, je lui montre le mausolée de mes aïeux et on déjeune ensuite. Le pays de son enfance, c'est les Pyrénées. Alors, dire que Xi Jinping a été déçu est peut-être excessif, mais au lieu de l'accueil dans la grande salle d'un château au son d'un gong géant, on a vu hier à la télé, je vous jure que c'est vrai, les images des deux couples présidentiels sous la neige, dans le brouillard, frigorifiés sous des parapluies, regarder 4 villageois en costume folklorique interprétant un branle. Oh oui, non, ça n'est pas bêtement, Benjamin, c'est le nom de la danse locale. Ah, et oui. Donc, Macron, dans un enthousiasme puéril, retrouvait son enfance, et ça aussi, je suis sûr que c'est vrai, il lançait un Xi Jinping frigorifié. Vous avez vu, c'est les pastourelles. Ils sont accompagnés par des musiciens. Là, il y a un qui joue de la flûte à 3 trous et l'autre de l'accordéon. L'autre frigorifié lui dit « Bon, c'est pas tout ça si on allait à votre château. » Manque de peau, il n'y avait pas de château, il y avait juste une cabane recouverte de lambris au sommet du Tourmalet où on a remis au président chinois un maillot jaune de vainqueur du Tour de France. Alors au début, il a fait la gueule parce qu'il a vu que c'était une taille small. Mais son sourire est revenu lorsqu'il a aperçu l'étiquette « Made in China ». En guise de mausolée, Macron lui a montré c'était la tombe du village, où il y a la tombe de sa grand-mère, c'est vrai, qui est enterrée dans le village, sur laquelle il a fait poser une jolie plaque avec écrit « À ma mémé ». Et enfin, ils sont allés dîner, et lorsqu'il fit goûter la garbure au président chinois, au regard que ce dernier a jeté à Macron, on a compris que la Chine ne serait pas notre allié. Aujourd'hui, Xi Jinping continue son tour d'Europe par la Serbie. Au moins, il est tout à fait prêt au protocole serbe, à leur tradition folklorique et à leur gastronomie.